La BRAFA, on est à la 58e édition. Elle a lieu à Touré-Taxis depuis 10 ans, donc c'est vraiment une année anniversaire. L'origine, c'est une foire d'antiquaires, mais depuis 5 ans, 10 ans, c'est ouvert à l'art moderne. Donc aujourd'hui, c'est un vrai mélange. Il y a également les arts non-européens qui sont très représentés, comme l'art africain, précolombien, l'archéo aussi. Cette année-ci, on a 128 exposants, donc 7 de plus que l'année dernière, et on est à un maximum. Donc on occupe tous les chutes de Touré-Taxis. On a un public au fait très très large. Alors on a des collectionneurs qui attendent vraiment l'ouverture de la foire des antiquaires ou la BRAFA depuis 2009. Des amateurs, des gens qui viennent se balader, des novices mais qui s'intéressent aussi, des familles qui viennent avec des enfants, et puis plus tard on espère qu'ils seront clients.